Voilà, c'est l'hiver. Ce pommier en cordon est en train de perdre ses dernières feuilles. Il va falloir le tailler. Soit dit en passant, les pommiers en cordon, c'est parfait pour les petits jardins car ils tiennent 10 fois moins de place que les arbres de plein vent. Alors, la taille, on s'en fait toute une montagne. En fait, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut que le pommier reste bas. Et lui, qu'est-ce qu'il veut ? Lui, il pousse. Donc ça, par exemple, c'est une pousse de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser 3 bourgeons sur chaque pousse de l'année. Mais attention, on commence avec les tout petits bourgeons qui sont à peine visibles. Donc 1, 2 et 3. Donc je coupe un petit peu en biais, 5 mm au-dessus du troisième. Clic. Voilà. Et maintenant, il y a toute la rangée à faire. Ça paraît énorme, mais en fait, j'en ai pas pour plus de 10 minutes. 10 minutes pour manger des pommes, c'est quand même pas beaucoup, non ? On y va.